votre rubrique Point de vue, c'est votre tranche, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous via le 65 10 01 01 pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 01 01, c'est le numéro à composer pour passer en direct. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. N'hésitez surtout pas. On va y aller avec le tout premier intervenant ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. À qui ai-je l'honneur? D'accord, nous vous écoutons. Parce qu'on va toujours à l'endroit de la commune de la Dijani. Vraiment. Je pense qu'il est venu à deux quartiers. Il faut arriver à un hauteur. Je ne sais pas j'avais écrit par rapport à ce pont. Ce pont vient dégradé. Le maître était venu à m'appeler sur le haut secours. On a mis le pont. Il a aucun emprunt. Ce pont. Et le point des gâtés, ils sont obligés de contourner. Tu ne comme pas. Le col chemin fraternité, regarde le CGR avant de revenir à l'école chemin. Si j'ai pointé, vraiment que le maître était venu avant que je dis, on peut croire ses amis ne sont pas là. J'étais pas très rapidement. Le CGR est un atteigné qui abrite toujours les bâtiments coloniales. Le président, Mathieu Kérissé, a fréquenté notre collège, dans ce bâtiment, jusqu'à ce bâtiment qui abrite encore les élèves. Comment que l'État béninois, si je vais au secours de ces élèves, les trois coulent déjà, les murs sont déjà fondus, vraiment, que puisse venir au secours des amis de Santé, qui viennent étudier dans ces bâtiments-là. C'était pas très rapidement. La voie du contournement, c'est depuis 2010, mais jusqu'à aujourd'hui, rien. Il n'y a rien. 2010, ça va être 2023, ça va être 13 ans. Jusqu'à quand la concrétisation de cette loi? L'électrification de cette loi là toujours. Les poteaux électriques ont été déposés depuis 2 ans, mais jusqu'à aujourd'hui, aucun poteau n'a été fixé avant que la FLE puisse venir au secours des riverains de cette loi là. Je vous remercie beaucoup. Vous avez la possibilité de nous revenir via le 65 10 010. Appelez-nous pour passer en direct. C'est parti pour votre tribune, pour dénoncer les faits qui vous paraissent injustes. Trouvez les mots justes pour passer en direct, partager avec nous vos préoccupations. C'est comme ça que ça se passe. 96.5, c'est parti avec votre rubrique Point de vue. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste Zachary Abdelbadi qui vous appelle du dernier coup d'appel. Nous vous écoutons. René Soglo, je tiens à remercier le commissariat central, le commissaire de Tibora par rapport à certains syndicats aussi. Mais le phénomène persiste. Je demande au commissaire central d'instruire le commissariat de Tibora pour que de 5h à 7h, pour que le parking soit fait sur ce tronçon-là. Parce que ce qui voulait se passer ce matin avec la petite, vraiment c'est Dieu qui a sauvé. On ne peut pas garer au niveau de la voie sans faire de signalisation, sans rien. Voilà que ces hommes innocents quittent du Tien Gorobani pour le collège sur Alibarika. Voilà la voie là, il n'y a pas de lumière. Comment ces enfants l'ont fait? Ils nous ont dit à l'école, il faut faire face aux dangers sur la voie. Mais c'est celui qui quitte à Tien, côté opposé, mais voilà, arrivé à cet endroit, à l'air au parc là, c'est là les véhicules s'alignent. Ce matin, plus d'une dizaine de véhicules sont alignés là. Je demande au conseil central d'instruire le conseil des tribunaux pour que de 5h à 7h de faire partout sur ce tronçon pour le bien-être de ces âmes innocentes. Je vous laisse la ligne. Allez, merci pour votre appel. Ce sont 5 10 01 01, appelez-nous, c'est le numéro à composer. Appelez-nous pour passer dans Point de vue. Ce sont 5 10 01 01. Intervenant en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 01 01, on l'a perdu, mais on retrouve déjà notre intervenant. Bonjour. Votre nom? Nous vous écoutons. Ce matin, ce que je vais demander pardon à la mairie là. Vous voyez, là, si vous gardez la voie de Périgna là, chaque fois, vous faites crier, crier, crier. Si vous voulez, dans le carrière, vous avez un peu de carrière, vous avez un peu de carrière. On n'a pas voir, on a même. On est dans Karakou. Donc, la mairie a pas passé à notre quartier. Je vais demander pardon. Si vous dites, merci de Karakou là, il n'a pas trouvé solution à ça. Il n'a pas pris d'accident. C'est vraiment soit, il ne peut pas trouver solution à ça, on n'a pas même les policiers, au milieu, ils vont vivre la circulation, sinon ça ne va pas, ça ne va pas. Merci d'être passé. Ce sont 5 10 01 01.
votre préoccupation est notée à notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. Antoine Candé, depuis Courbevoie. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. À l'école, ils nous ont appris que plus de bénéfices égales, plus de ventes, mais plus d'argent. Monsieur le journaliste, je salue le président Patrice Talon qui a eu l'idée prévoyance de ce qu'on appelle AlphaTage dans le Bénin. S'il n'y avait pas AlphaTage à Parakou, quelque part où serait. Si on enlève les routes asphaltées par M. Patrice Talon, si on enlève les travaux que les huit maires ont fait à Parakou, si on a le bénéfice, qu'est-ce qu'on a fait du nouveau maire à Parakou? C'est vrai que le maire peut être de travailler en sourdine. C'est vrai qu'il peut travailler qu'il ne le voit pas. Ou mais qu'il monte au créneau pour lui dire qu'on a fait telle chose. C'est peut-être pour dire raison. C'est possible. Mais si c'est tu, il me dit mais, comment est-ce que tu vas aller travailler? Oui, tout on crie tous les jours le maire fait tu. Ce n'est pas bon. Il faut qu'il mette le crédit. Ah, il a fait quelque chose et on serait content de lui. Mais ce matin, cela nous empêche de dire à mes mères. Ça veut dire que mes mères, mon quartier Kourou a besoin d'une école pour les enfants. On a un fils, mais il n'y a pas d'école. Parce qu'il a des enfants de longue distance. On n'a pas d'hôpital. On n'a pas de courant. Mon mère, si tu as l'écoute, c'est toute ma brillance tout à l'heure. Merci pour votre appel, 65 10 0101. Appelez-nous pour passer en direct notre intervenant qui va s'installer ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom. C'est le recruteur à la file d'un chasse humaine de Surcatégoire. Nous vous écoutons. Dans la commune de la Titanie, le marché qui a été construit finit depuis 2 ans. Mais comme ils disent, on entend celui de debout pour pouvoir l'inaugurer. Ah, mes mamans, mes femmes, mes jeunes se souffrent sous la pluie et sous le soleil. Là, elles ont été délogées. Vraiment. Qu'est-ce que je peux passer à ceux-là pour inaugurer ce marché-là? Peut-être rapidement, inter-état, si vous mettez un mot, on va travailler pour aller vers le réaménagement. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucune machine n'a été déposée par rapport à ça. Jusqu'à quand le démarrage de ces travaux? La réhabilitation des hôpitaux, c'est des zones de la Titango et les sièges de la Titango. Ils avaient parlé de ça dans un conseil de ministre, on a applaudi. Mais jusqu'aujourd'hui, rien. J'ai dit, rien n'a encore démarré. Jusqu'à quand? Merci. Bon, maintenant, je dis à vous. Bonne journée, merci d'être passé ce soir 5-10-0-0-1. Point de vue pour partager avec nous l'actualité de votre choix, ce qui nous va pas autour de vous. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. Nous écoutons. Tous les matins avant que vous commencez les bruits, vous dites pas de calomnie, pas de paroles mensongères, pas de diffamation. Ça, c'est un mot. Vous le dites pour qui? C'est pas pour vous-même, mais pour vos populations, pour vos croyants, que vous le dites. Ça va vous mettre intérêt. Pourquoi les gens vont dire ce qui n'est pas vu? Pourquoi les gens vont dire ce qui ne touche pas le droit? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faudrait qu'on dise ce qu'on a vu pour que la population puisse par la cause puisse prendre, pour que la population puisse évoluer. Ce sont des journalistes. Moi, je dis quelque chose. Nous sommes en démocratie. La démocratie, ce n'est pas de la nature, ce n'est pas de vie, mais c'est quoi? Waouh! Il serait mieux de manger mon crin-crin dans ma chambre avec une bonne dose de métal que d'aller manger un plat gras bien garni là où je ne vais pas tout à l'heure. Merci d'être passé. On a compris. Très bonne journée. Merci pour votre retour. 65 10 0101. 65 10 0101. Appelez-nous. Notre intervenant, oui. Bonjour. Monsieur Nodo Georges, depuis le Paris. Nous vous écoutons, Georges. Et sinon, je veux parler par rapport à la dégradation des voies. Et il est toujours chanté par rapport à un bas-fond, il est appelé ça bas-fond sur la voie de Kourou, après que ça le bat. Et chaque fois, quand les gens veulent gratter les voies, ils grattent juste
nouvelle petite arrêtée après que ça le va, c'est là où ça arrête. Nous autres, de l'autre côté, on crie beaucoup, et ils ne nous écoutent pas. Si je quitte là, je vais aller au niveau de pharmacie plateau. Vraiment, la voie là, monsieur, bien la dame qui a la pharmacie là, la personne souffre toutes les années. Sincèrement, l'État n'a qu'à penser, la mairie n'a qu'à penser à ce monsieur ou à, en tout cas à celui-là qui a la pharmacie. Vraiment, la personne souffre. La personne souffre, il dépense énormément. Donc, la période est vieille. D'accord, nous avons compris. Merci et agréable journée à vous. 65 10 00 prochainement. Évitez de prononcer le nom de ce bar dans votre grogne. Merci et très bonne journée. 65 10 00 01, bonjour. Oui, bonjour. Fraternité FM, Adam Bachero, depuis le quartier Garé. Nous vous écoutons. Allô? Nous vous écoutons, Adam Bachero. Oui, lentement, mais inexorablement, nous allons vers la fin de la saison pluvieuse de cette année. Occasion qui permettra à la mairie, pourquoi pas, de mettre en pratique sa volonté d'ouverture des voies dans la quartier, dans les quartiers périphériques et autres. Conseil des fonceaux et collecteurs d'eau pour bâtir des animaux. Permettez-moi cette déviance au maire Chabis Jimmy qui nous sort. Et surtout au côté expédiateur des services techniques. À tout faire pour vraiment faire bénéficier enfin des fameuses machines griffées par la cour d'abord. Ces machines qui avaient donné un espoir au paracoua avec cette caravane organisée en son temps par l'équipe de Charles Procop. Profitons de la fin de la saison pluvieuse pour sensibiliser les populations paysannes qui exploitent leurs parcelles abusivement ou leurs champs. En effet, ces populations portent les sillons de leurs champs jusqu'à sur leurs voies. Ces profitants les gens veulent passer, ils sont obligés de monter sur le champ qu'ils ont fait, ce qui n'est pas juste. Alors que chacun doit respecter le couloir, sa parcelle plus simplement. Et la volonté de pouvoir passer le salon à déterminant, de déguerpir les gens qui occupent les espaces publics actuellement. Donc, vous gâchez après 15 années, quand vous avez la chance, respecter les limites de votre parcelle, plus simplement, pour éviter des problèmes à l'avenir. Avant la saison pluvieuse prochaine, sensibilisons vraiment nos populations à respecter chacun son couloir. Avant d'attendre, salut. Merci pour votre appel. 65 10 01 01. Appelez-nous pour passer dans Point de vue. C'est le numéro à composer, je rappelle. 65 10 01 01. Intervenant en ligne, bonjour. Fraternité, bonjour. À qui ai-je l'honneur? Alphonse Samuel depuis le quartier Madina. Nous vous écoutons. Merci. Que Dieu protège votre radio et vous-même ainsi que moi, Alpha Samad. La fois passée, je vous ai parlé de la feuille du TP où les cocotiers que les branches sont par terre. Votre radio a fait cette démarche ou bien la radio va écouter les cris de Alpha Samadou et puis est passé à ranger, ça c'est très bien. Monsieur le journaliste, ça qui va être fait, c'est comme si rien n'a été fait. En face encore du TP, il y a une station abandonnée. Là-bas, là, toujours aussi herbé. La grande voie très jolie comme ça, il faut qu'ils vont penser à arranger ça. Nous ne sommes pas contre qui que ce soit. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Mais nous sommes contre par rapport à ce qui se passe. Ils ont parlé de dégâtissement. Ils veulent que l'endroit soit être propre. Mais ils n'ont qu'à penser. Et celui qui a la station, ils n'ont qu'à arranger l'endroit là. Lui-même en question, nous demandons. Il dit, mais il n'a qu'à renouveler la station. Monsieur le journaliste, bonne journée et que Dieu nous protège. Et tous les croyants. Merci pour votre appel et merci pour vos prières. Très bonne journée à vous. 65 10 01 01, c'est le numéro à composer. Un autre intervenant qui va s'installer ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci de vous présenter. Présentez-vous. Bonjour. Cher intervenant, est-ce que vous m'entendez? Bonjour. Voilà, il y a quelques difficultés avec le retour, c'est sûr. On va lui permettre de nous revenir. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Voilà. Merci de vous présenter. Allô?
Auditeur en ligne, présentez-vous. Oui, bonjour, vous êtes en direct d'un point de vue, votre nom. Monsieur Hippolyte de Pitika. D'accord, nous vous écoutons. Ok, bon. Ma préoccupation, c'est la voie inter-État par la Boukabo. La voie est vraiment dans un état de déclaration d'action très avancé, mais le maire de Kaourou, ni le maire de Parakou, bon, je ne sais pas s'il se soucie de cette voie. Or, c'est une voie qui permet vraiment à la ville de Parakou de se ravitailler, parce que c'est une voie inter-État. Si les autorités pouvaient nous jouer, pouvaient nous aider au moins. Même si c'est le rechargement, ils vont faire d'abord avant qu'on ne parle après du bitumage. Vraiment, ça va beaucoup nous aider. Merci. Merci d'être passé ce matin, 65 10 01 01. C'est le numéro à composer pour partager avec nous vos différentes préoccupations. Notre intervenant qui s'installe, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. À qui est-ce que vous avez dit à depuis 15 jours. D'accord, nous vous écoutons. Vraiment, moi, c'est une tolérance que je demande au gouvernement et aux députés, aux maires. Vraiment. Les tranchées réalisées tout au long de la frontière, parce que la frontière Savalou-là, ils n'ont qu'à essayer de revoir ça. Il faut que ça se fasse avec la diplomatie. Moi, je ne peux pas comprendre où, vers Matéri, où est une maladie montée, où les terroristes sont en train de nous créer des problèmes. Regardez ce week-end dans la commune de Karimama à Monte, où on a tué quelqu'un. On doit de sécuriser ces zones-là en amenant les moyens et barricader le long de la frontière. Bien, écoutez, Alpha Jazzy, laissez les affaires sécuritaires aux autorités, des questions sensibles, hein, ne traiter vulgairement sur les antennes. Merci, très bonne journée à vous. Ce sont 510-0101. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, à qui est-ce l'honneur? Nous vous écoutons. Hier, le lundi, je me suis appelé à Titi Moussirana concernant le col coupe le Kikiro. Concernant là, lors de c'est la vérité que la classe CP groupe B, lors de la rupture là, moi j'ai passé la méthode de mon enfant de même. Je me crois qu'elle est en feu. Donc, actuellement là, la classe est fermée. Nous l'enfants sont à la maison. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont amener à ça. Nous avons dit, même si on est passé là, c'est fini. Pour aller dans la ville, je vais aller chercher le football. Monsieur le journaliste, avant que le chien ne meure, je me suis dit là, elle a fini sa piste. Il y a des gens qui ont fait la solution. Mais on dit, nous, on sommes là. Le grand nouveau ministre. Le cas, nous allons maintenant. Là, le jour que la manière que ça fonctionne là, elle a changé, les gens ont changé, là, ils ont changé le nom. Sinon, ce n'est pas le nom qui fait le nom de l'équipe de notre pays. Allez, merci d'être passé. Ce sont 5-10-0101 pour faire comme tous ces auditeurs. Ce sont 5-10-0101. Intervenant en ligne, bonjour. Madame Bassoy de Reto. Nous vous écoutons. Conseil des ministres de ce mercredi 18 octobre, avec la volonté exprimée par le gouvernement d'acquérir des équipements pour profiter du groupement national des sapeurs pompiers. Que pense-t-il à cette vision? Permettez-moi cette question. Quelle est-il finalement? La décision en Conseil des ministres du 15 mars 2023 d'acquérir en procédure d'urgence des équipements pour ces mêmes sapeurs pompiers, équipements qui devaient concerner d'un véhicule pick-up 4x4, des véhicules de secours, une assistance aux victimes et des camions souterrains de 70. Cela est-il déjà acquis ou bien c'est la même chose qui a relancé ce 18 octobre, soit 7 mois, 8 jours après. Quand on connaît le besoin très important.
Nous nous saluons soldats du feu et autres, à le secourir dans divers cas, diligence faite et de mise par le gouvernement de la République et tous les autres à venir. Nous voulons des explications pour mieux comprendre. Nous allons mieux que nous vous dit cette parole à vous de jouer, car on veut comprendre. Merci à vous. Merci d'être passé 65 10 0101. Pleinement, c'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui je vous avais nommé à Pernard Rachid de Clamonio. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, ma préoccupation va d'abord sur le terrain de Nabissou. Comment pouvez-vous comprendre que depuis quelques années, ce sujet n'a pas de second fils jusqu'à présent? Or, c'est créé fréquemment pour nous engager également. Mais force est de constater que les élèves tout juste après l'ont dégraissé et vous chemin pour le sujet également. Ceci ne va pas. Qui est incompétent ou de quoi et aider nous à partager les responsabilités dans ce sujet-là? Je reviens toujours pour les agents de la SVDG spécialement qui sont en train d'implanter les photos. Quand tu vas aujourd'hui à Gorobani, ils ont creusé les troussettes. Mais force est de constater qu'avec cette dernière trouille-là, nous avons fermé encore cette trouille-là. Est-ce que ce n'est pas l'agent du contribuable qui est en jeu, qu'il faut encore recréer cette trouille? J'aimerais qu'il soit diligent à des moments donnés, quand il finit de creuser de suite que pour qu'il place ses photos. Pour finir, est-ce qu'il y a un second trou à Chantal dans la commune de Parakou? Nous avons entendu des voix fichées, nous avons aussi applaudi. Mais jusqu'à présent, quand la concrétisation, nous sommes fatigués avec ces voix impraticables dans la commune de Parakou. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Merci d'être passé 65 10 0101 pour partager avec nous l'actualité de votre choix. C'est le numéro à composer, 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, de retour. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur Moreau, concernant nous, la population paracale, moi je ne comprends pas. Mais vous allez demander à midi, sortez une machine, vous n'avez pas là. Parce qu'on n'a pas sorti. Vous allez sortir dans la maison, vous dites ça ne va pas, ça ne va pas. Vous venez dans le blé, vous allez pouvoir dénoncer tout ce que les gens voient, qui est dans leur crédit. Sur la vie, ils ont des crédits gratuits. C'est quoi? On le voit. Quand on gagne la vie, il y a beaucoup de bénéfices encore. Un bénéfice, je ne sais pas, il y a des gens qui ont mis en temps, c'est bien là. Les gens sont dans la génération, travaillent, ils n'ont pas dit tout de même, ils allaient là-bas. C'est pas bon. Les gens, ils achètent, c'est pour qu'on ne pas critiquer. Ils n'ont rien à faire. Vous parlez de les gens n'écoutent pas. Tout le monde dit que les gens n'écoutent pas. Mais si on n'a pas soutenu le grand, les faits, les gens grands, c'est que je suis sachant là-là, surtout les tous. Allez, vous, monsieur le journaliste. Excellente journée à vous, merci d'être passé. 65 10 0101. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Notre intervenant, bonjour. Monsieur Lobo, pour les biens. D'accord, nous vous écoutons. Je vais parler à rapport au son. Et entre-temps, on aurait appris que les mosquées, les églises, les diverses vont diminuer, baisser les bruits. Mais je pense que c'est passé là, on dirait que maintenant les gens mettent plus de volume par rapport aux diverses. Donc je ne sais pas si cette loi-là est encore appliquée, mais comment, et les autorités aussi qui vont là-bas pour, en tout cas pour, ils font du plaisir, mais ils sont dans le bruit, mais rien n'a été changé par rapport à ça. Allez, merci, c'est entendu. Très bonne journée. 65 10 0101. Vous passez en direct. 65 10 0101. Notre intervenant qui va s'installer. Nous avons encore 7 bonnes minutes. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Adamo Abdoulaye qui vous appelle du quartier Madina. Nous vous écoutons, Abdoulaye. Merci, monsieur René Soubou. Et je voudrais savoir. Moi, personnellement, je me suis rendu chez un opérateur économique. Il lui dit, mais si la mairie ne fait pas la voie, comment, avec ce que Dieu t'a offert, essaye d'arranger ta devanture. Il me dit, si je mets ma tête pour arranger, tout de suite la mairie viendra et que tu ne serais pas derrière moi. Exactement, ça a été le cas. Pourquoi si la mairie ne veut pas faire, au moins il faut donner une opportunité.
permettrait à cet opérateur économique de réparer. Mais vous, vous ne pouvez pas faire quelqu'un sous pour réparer sa devanture. Vous le refusez. Vous voulez que nous soyons toujours dans la misère, ce n'est pas bien. L'histoire est têtue et rattrape tout et chacun de nous. Prenez la vie du bon côté. Merci, monsieur René Soblo. Oui, merci d'être passé sur tout. Ce sont 5 10 01 01. C'est le numéro à composer. Notre intervenant, lui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Le retour très rapide de Alpha Gazi à toi, toi, depuis 15 jours. Ma première association. Entre temps, il y a une équipe technique qui est venue nous relever à 15 jours, mais ils ont dit qu'ils vont nous apporter les poteaux électriques. Mais force est de constater que depuis ce temps-là, on n'a rien vu. Vraiment, on aimerait plaider au niveau du gouvernement et à son ministre de l'énergie et de l'Europe, la SE, de tout faire pour que l'extension de ces poteaux-là soit faite à Gorobani, soit faite à 15 jours. Le quartier est plongé dans l'obscurité et se dit en train toujours des boules, des angles de vandalisme. Vraiment, il faudrait que le gouvernement prenne à bras le corps de cette situation-là. Ils sont venus nous relever depuis, ça fait bientôt un an, mais on ne voit pas de signes. Vraiment, ils n'ont qu'à essayer de nous voir ça. Ma deuxième préoccupation va rapidement à la mairie de Parakou, à la mairie de Koukouarou. Vraiment, il faut que les leaders politiques se rassemblent avec un collaborateur avec le privé et essayer de régler les différents problèmes qui produisent au niveau du maire et au niveau du premier agent au maire à Parakou. Parce que Parakou, c'est une ville à partir particulier. Et maintenant, le personnel compte beaucoup. Le poste vacant là, vraiment, ça devait impacter négativement les actions administratives et le développement dans la commune de Parakou. Mais si tel est le cas, vraiment, ça risque de ralentir les actions. Vraiment, il faut que les deux préfets se fassent tout et tout pour pouvoir régler cette situation. Merci. C'est tout, ma question. Allez, merci cette fois-ci d'être passé avec, bien sûr, le respect de nos principes. Très bonne journée à vous. 65 10 01 01 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Allô. 65 10 01 01, bonjour. Votre nom. D'accord, merci d'être passé. Nous écoutons. Nous avons dénoncé par rapport au fonctionnement de nos lampadaires qui sont dans la fond partie du lycée Mathieu Bocquet, portail des professeurs, et rien n'est fait. Maintenant, comment les choses sont toutes en détail, les diverses sociétés ont profité de l'autorité pour arriver dans les fils. Donc, à l'heure, nous sommes maintenant. Ces lampadaires-là n'ont plus de fil. Ils vont couper les câbles. Donc, c'est pour dire, lorsqu'on les informe par rapport aux visiteurs, ils se dépêchent pour venir au lieu pour nous démarrer. En ce qui concerne la dernière préoccupation, c'est par rapport à ces lignes de feu qui sont en face de la station sur la porte. Regardez comment la voie du tunnel a plusieurs lignes de feu. Si vous voyez, soit qui va de l'autre côté et l'autre qui revient, vous avez parfois vous croisez. Donc, je vous souhaite un bien jour. Allez, merci d'être passé justement. Ce sont 5-10-0-1-0-1, notre intervenant qui s'installe ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, est-ce que vous m'entendez? Ça va être le tout dernier pour le votre nom. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Après notre émission, certains tout au sujet tout, monsieur le journaliste, ça ne va pas. On a d'énormes problèmes internes. Le sujet a manque de vent et sable. Et chacun devrait partir par terre pour écouter d'autres. Voir leur programme sur chargé. Normalement, la nécessité n'a pas de ça et n'a pas au cours. Maintenant, manque de sable dedans. C'est que leur programme est chargé. Ils ont cours que. Le mécanisme et le mandrisme, après notre émission, c'est un peu proche de ce que nous devons faire. Bonne journée à vous. Merci d'être passé ce matin, ce sera tout pour les appels. Pour tous ceux qui ont essayé la ligne et qui n'ont pas pu bien évidemment nous joindre, rendez-vous demain. Vous aurez un autre numéro de point de vue. On va marquer la pause.
plaisantine, j'adore. La promo exceptionnelle se poursuit. En octobre, on continue à se régaler avec les spaghettis et macaroni matantine. Le sachet de spaghettis 500 grammes à 400 francs. Le sachet de spaghettis de 250 grammes à 225 francs. Le sachet de macaroni 500 grammes à 600 francs. Celui de 250 grammes à 300 francs. Matantine, une saveur unique. Apportez désormais votre contribution à nos plateaux débats sur des sujets d'actualité en participant à la rubrique Question du jour. Question du jour. Question du jour, c'est un plateau décryptage du lundi au jeudi à 8h sur le compte de l'information. Laissez en commentaire votre avis sur notre page Facebook Fraternité FM ou sur WhatsApp au 98 28 38 28. Fraternité FM, il est 7h. Avec le grand directeur de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Voilà, 7h partout au Bénin. On va faire place au mini-débat avec Epiphane Tiabi et Karine Diegui qui s'installent ce matin pour, bien sûr, le sujet retenu. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, on parle de cette actualité, plus de dictée matinale à Cotonou. Et bien évidemment, c'est l'information rétro-pédalage de la dédampe littorale, la décision du retour de la dictée matinale au cours moyen première année, CME, et moyen deuxième année, CM2 à Cotonou, est rapportée tout simplement. Et bien la directrice départementale des enseignements maternels et primaires, Alphonsine Ganta, par l'entremise d'une lettre adressée donc au responsable des écoles primaires publiques et privées en date donc du 18 octobre 2023 a annulé la décision de reprise de la dictée à Cotonou. L'initiative avait été critiquée par d'autres, saluée par certains autres acteurs. Finalement, c'est le rétropédalage à l'arrivée et il n'en est rien. Plus dictée matinale. En tout cas, un peu comme vous, j'ai vu la nouvelle hier et puis je me suis posé une question pour savoir pourquoi ce rétropédalage, alors que la décision, en tout cas dans la majorité des cas, a été saluée par l'ensemble, je dirais, des acteurs du système éducatif et même sur place ici à Parakou, qu'ils vous souviennent qu'on a promené nos micros, nous avons recueilli les avis de certains responsables, en tout cas d'établissements, qui ont apprécié donc cette initiative-là et d'autres nous ont même confié qu'elle est déjà en cours dans leurs différents établissements. Bon, qu'on rapporte cette décision, peut-être que le ministère a jugé bon que cette décision soit nationale ou qu'il y a des critères ou en tout cas beaucoup de contours autour de cette décision. Sinon, personnellement, je crois que c'est une décision qu'on a tous appréciée. C'est parti du constat qui a été fait à l'issue de l'examen du brevet d'études, du certificat d'études primaires 2022. Elle disait que beaucoup d'écoliers éprouvent des difficultés dans la matière. Oui, c'est un constat général et justement je voulais en venir aujourd'hui quand vous faites la dictée ou en tout cas vous demandez à un apprenant de ces différentes classes-là, même en 6e, même jusqu'en 3e aujourd'hui, c'est difficile. On écrit avec beaucoup d'erreurs, donc pour elle, il était nécessaire donc de revenir. Cela allait peut-être permettre à ces apprenants-là qui ou à ces candidats à l'examen du certificat d'études primaires de l'année prochaine, c'est-à-dire 2024, de peut-être mieux s'en sortir dans cette discipline. En tout cas, on attend de voir les vrais motifs en tout cas de ce rétropédalage, mais je crois que peut-être qu'on a voulu que la décision soit nationale ou qu'elle vienne du ministère des Enseignements maternels et primaires. En tant que directrice départementale, peut-être qu'elle n'avait pas les prérogatives de prendre une telle décision sans l'aval de son ministre de tutelle. Beaucoup de choses en tout cas pour l'instant, mais il faut dire que généralement c'est une décision que moi j'ai saluée et je souhaite peut-être qu'on puisse la nationaliser, cette décision-là, pour réellement permettre à ses apprenants de... Oui, mais l'autre chose, est-ce que la dictée a vraiment quitté nos écoles? J'avais réalisé un reportage il n'y a pas si longtemps. On m'a renseigné, la dictée est toujours dans le cursus scolaire, mais sous une autre forme, Karine Diegui. La dictée, elle est là, mais ce n'est plus forcément la forme que nous avons connue. Vous le savez, la dictée à notre époque, c'est cette opération où l'enseignant ou l'enseignante lit à haute voix un texte cohérent et selon, bien sûr, un rythme qui permet à des auditeurs que
nous étions. Donc, de copier, ce n'a pas écrit. Et après, on corrige les fautes. Il y avait pire par le passé où vous avez 5 fautes, vous êtes éliminé à l'examen. Ça a beaucoup évolué. Ça a été dilué entre griffes. Mais malgré cela, on sent que le niveau a véritablement baissé. Mais le fait que cette décision soit rapportée, qu'est-ce que cela vous inspire? Non, le fait que cette décision soit rapportée, bon, moi je pense que comme l'a dit Epiphane Chabi, c'est certainement parce que la directrice départementale n'aurait pas peut-être pris l'aval de son supérieur avant de prendre cette décision. Sinon que tous nous l'avons reconnu que cette décision est vraiment salutaire parce qu'on a besoin que la dictée matinale revienne encore dans le cursus de formation, surtout au cours primaire, parce que effectivement la dictée est toujours d'actualité, mais pas comme avant encore, voilà. C'est pas comme voilà, mais j'ai pas vécu votre époque comme, voilà, j'ai pas vécu votre époque, mais c'est vrai qu'on faisait la dictée, mais pas la dictée matinale comme vous le faisiez subir, hein, Nous, on dit que le châtiment corporel, voilà, avec le châtiment corporel constitue des coups. C'est ça. Le fait, c'est des coups de main. C'est ça. Sinon que c'est toujours d'actualité. Quand vous allez même au collège, vous allez voir que les professeurs préfèrent dicter le coup aux élèves. Hein. Maintenant, le problème, c'est est-ce qu'on vérifie maintenant les cahiers pour voir combien de fautes l'élève a commises, quelles sanctions l'élève va devoir prendre après cela. Bon, rien n'est fait. Mais bon, moi, je pense que c'est ça une décision salutaire. Hein. Dommage que il y a eu retrop et des restes dans cette décision. J'espère que les choses vont rentrer dans l'ordre d'ici là encore, afin de permettre à la dictée de revenir véritablement dans les curriculums de formation. Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait faire davantage hein, pour accompagner les enfants, même si la dictée sous cette forme est, aujourd'hui elle n'est pas autorisée, je vais dire. Est-ce qu'à la maison, les parents, eh bien, on ne peut pas trouver d'autres formes pour accompagner les enfants, parce que c'était un exercice qui permettait de découvrir de nouveaux mots et également davantage renforcer ses capacités à manier la langue française. Oui, ce que les parents peuvent faire dans ce sens-là, je crois que c'est initier beaucoup plus les enfants à la lecture. Ça a disparu aujourd'hui dans les habitudes. Moi, je me souviens, jusqu'en cinquième, j'avais un nombre d'ouvrages à lire par année et je faisais le résumé. Il fallait donc soumettre le résumé à votre parent pour qu'il puisse réellement voir ce que vous avez pu lire. Ça vous permet de découvrir, d'être en contact avec certains mots aujourd'hui. En tout cas, ça vous rend le parler, même l'écrire, très facile. Donc, il faudrait que les parents renouent avec cette habitude-là. Ça permettra quand même aux enfants, même si la dictée n'est pas systématique aujourd'hui dans nos écoles, d'améliorer leur manière, en tout cas, de s'exprimer, leur capacité à s'exprimer, leur capacité également à tenir face à certaines rédactions. Également, dans les différentes salles de classe, même si elle n'est plus systématique, comme je viens de le dire, cette dictée-là, les enseignants peuvent quand même également faire quelque chose, ne serait-ce que prendre 30 minutes ou 20 minutes dans le programme qu'ils concoctent pour également voir la capacité de leurs apprenants également à pouvoir tenir face à tout cela. On a constaté, vous l'avez dit tout à l'heure, la dictée, ça a été diluée dans nos écoles, ce n'est plus comme par le passé. On prend peut-être 30 ou 20 minutes pour vérifier cette aptitude-là au niveau des apprenants en essayant de leur dicter le cours et voir ce qu'ils ont réellement écrit. Je crois qu'il faut aller au-delà aujourd'hui et les parents qui veulent réellement que l'enfant ait un niveau, je dirais, un peu plus un bon niveau, justement, en langue française, doivent obliger ces enfants-là à lire aujourd'hui. Combien sont-ils, ces parents, qui orientent leurs enfants vers la lecture pendant les périodes de pause, c'est-à-dire les week-ends, les congés, ainsi de suite, l'enfant est laissé à son propre compte. Donc, je crois que c'est là que doivent agir maintenant les parents. Obliger l'enfant à lire peut-être un ouvrage chaque année, ça permettra en tout cas d'améliorer sa manière de parler, sa manière d'écrire, parce qu'il va découvrir de nouveaux mots, il va découvrir de nouvelles expressions et cela lui permettra de renforcer son niveau en français. Donc voilà ce qu'il faut faire et jusqu'à ce que peut-être le ministère ne puisse imposer entre griffes cette dictée-là dans ces différentes classes. Quand même au niveau du collège, il y a déjà quelque chose qui est fait parce que quand vous allez déjà à partir de la classe de 5e avec les professeurs d'histoire, géographie et bien d'autres disciplines même en français, les situations d'apprentissage sont dictées aux enfants pour permettre en tout cas de voir, mais visiblement comme ces enfants n'étaient pas
pas réellement habitués à cette forme d'apprentissage au primaire, les gens ont sérieusement des difficultés à écrire certains mots, même malgré que les enseignants les aident en écrivant les mots les plus difficiles au tableau, il y en a qui ont toujours du mal à reprendre ces mots parce que c'est la première fois qu'ils découvrent ces mots, alors que quand vous êtes habitué à la lecture, vous êtes habitué à tout ce dont je viens de parler, vous avez quand même déjà une image de ce mot dans votre tête et déjà que l'enseignant l'écrit, vous internalisez donc ce mot-là et c'est pour toujours. Ça vous permet donc les fois à venir de ne pas avoir de difficulté à écrire le mot, de ne pas avoir de difficulté à vous exprimer et certaines expressions ne vous sont plus étrangères, elles deviennent familières. Donc il faut que réellement les parents puissent donc accompagner les enfants dans ce sens-là pour qu'on ne puisse pas donc assister à ce que nous assistons, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, les apprenants qui ont du mal à formuler deux phrases. Et même aujourd'hui, certains étudiants, je ne leur jette pas en tout cas la pierre, comme en excuse, mais c'est le constat qui est fait et c'est déplorable. Voilà, bon courage donc aux enseignants et surtout aux apprenants et certainement que ce petit bruit hein, de quelques jours, de retour ou pas, de la dictée matinale va pousser les uns les autres à trouver d'autres solutions pour davantage renforcer les études dans ce sens. Merci à vous, Epiphane Tchabi. Karine Diaghi, vous restez avec nous pour